Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à Nyons, à l'international de l'Olivier pour vivre ensemble un huitième de finale de cet international. Un huitième de finale qui va tout simplement opposer deux légendes. Celui qui a tout gagné à la pétanque et celui qui a tout gagné au jeu provençal, c'est-à-dire Marco Foyau contre Anthony Kerfa. Une partie extrêmement excitante, Gilles. Ah oui, bien sûr, bonjour Pierre, bonjour à tous. Ben, c'est vrai qu'on n'a pas eu vraiment l'occasion jusqu'à présent d'avoir ce type de rencontre. Donc on a grand plaisir effectivement à vous la présenter, à vous, amis boulistonautes. Et alors je pense qu'on va se régaler. On va vous les présenter, ces trois garçons. Ce sont trois joueurs que tous les joueurs de jeu provençal connaissent. Je parlais de légende. En ce qui concerne Anthony Kerfa, on est obligé de dire ça. Il a été trois fois champion de France, trois fois vice-champion de France. Il est vainqueur du provençal et surtout, il a gagné tous les nationaux de jeu provençal. Ah ouais, là c'est vrai que... Et en plus, il n'est pas très âgé à mon avis, donc c'est... Il est là, vous le voyez à l'écran, Anthony Kerfa. Il a été 9 années leader du Super Challenge. C'est le compteur de points du jeu provençal. C'est quelqu'un qu'on est ravi de voir ici. Et ouais. C'est aussi, il est inutile de le préciser, un très bon joueur de pétanque. Il est venu avec deux joueurs aussi que tout le monde connaît au jeu provençal. Le premier, c'est Laurent Matraglia. Il a été champion de France. Il a gagné deux fois le provençal. Il a été trois fois vainqueur du Midi Libre. Vous allez le voir. Et là, ce jeune homme là que vous voyez à l'écran, c'est Marc Cognard. À Marseille, on l'appelle plutôt Fafou. Lui aussi, il a brillé au jeu provençal. Il a été vice-champion de France. Il a été finaliste du provençal et vainqueur d'une douzaine de nationaux. Voilà, ce sont ces trois garçons qui vont s'essayer à la petite distance, à la contre Marco Foyau. Et ben voilà, Marco Foyau, accompagné de deux jeunes, hein, Chris Elfrick et Moineau Feltin. Voilà, c'est la partie qui a fait la demi-finale du championnat de France cette année au Mont-Saint-Michel. Ouais. Et c'est la partie qu'on voit, la partie type de Marco Foyau depuis quelques années. Ouais. C'est la partie du club de Loubéra. Loubéra, les Gaulois, comme il se plaît à les nommer. Alors Marco, qui était là mardi pour le National Vétéran, qu'il avait déjà disputé l'année dernière, donc avec Yves Rinck et Joël Savin. Et cette année, ça s'est un petit peu moins bien passé, puisque son parcours s'est arrêté en quart de finale. Mais on a appris effectivement que Marco souffre du dos. Voilà, donc on va étudier son comportement dans cette partie, parce qu'il il a fait un petit aller-retour là, vers son ostéopathe, et il est revenu pour disputer son national. Il a fait l'aller-retour national, à Clermont. Voilà. Voilà, et d'ailleurs, ce qui l'a empêché de participer au concours de tir de précision vendredi après-midi. Voilà, Marc Cognard, qui est aussi un très bon tireur de pétanque. Certains d'entre vous, peut-être, se rappellent une partie du Mondial de la Marseillaise disputée il y a quelques années en compagnie d'Éric Bartoli face à Philippe Quintet, où il avait été excellent. D'accord. Alors, quelques mots sur ce carré d'honneur, là, sur ces jeux qui sont assez difficiles quand même, hein, parce que ce matin sur le forum, il y a des discussions sur l'appoint de Dylan Rocher hier sur la partie qui a été diffusée sur Boulistonaut, et effectivement, Dylan a manqué des boules au point. Mais il est pas aussi simple qu'il en a l'air, ce terrain. Hein. Exactement, c'est un jeu d'ailleurs où il est très difficile de monter la boule. Il est plutôt recommandé de faire rouler. Ça, ce n'est pas la spécialité des meilleurs joueurs du circuit. Ouais. Donc, ce qui explique les parties assez disputées qu'on voit entre grosses parties et parties plus modestes. Voilà, et c'est vrai que bon, là, il y a une pente. Donc, on joue dans le sens de la descente. Et le revêtement, il y a. Parce que cet endroit, là, ce carré d'honneur, sert également pour du basket et du handball. Et dans le revêtement, il y a 30% de matériaux caoutchouc pour éviter des blessures graves en cas de chute des joueurs. Donc, ce qui fait que, effectivement, les boules, des fois, ont des rebonds un peu capricieux.
Voilà, donc on est à la deuxième main, alors que c'est Foyot qui a ouvert le score, vous le voyez, et qui mène 2-0. On n'a pas repris du côté des rouges et noirs. Alors, les rouges et noirs qui sont licenciés pour Matraglia et pour Kerfa à la boule Tulézen, à Sainte-Tulle. Et pour Cognard dans les Bouches-du-Rhône, et non pas à Toulon, comme on pourrait faire supposer leur tenue. Ouais. Alors, c'est international, comme d'habitude, hein, qu'on fait le plein. Hein, 512 équipes. Ramonné très à 512, à très à l'avance effectivement. Sur le clavier, les organisateurs qui avaient monté à 640 deux années de suite sont revenus au nombre d'origine. Allez, première boule de tir pour Kerfa. Oh là, c'est bien donné, hein, parce que. Bon, à la longue, elle était bonne. Hein. À la lyonnaise, c'est arrêté juste. C'était limite. Hein. C'était limite. Et voilà, sur ce terrain, effectivement, c'est soit il faut être pleine tête, ou alors devant avec un tir rasant. Ah là là, il est sorti, Monofeltin. Ouais. Il y a déjà du monde, hein, de grand matin, là, dans les travées. Oula, Elfrick, là. Elfrick qui a traversé, ça sera une main en faveur des rouges et noirs. Oui, une boule pour égaliser, là. Et on l'a vu, hein, la difficulté du terrain. Tu l'as dit, Gilles, le public commence à arriver, un public qui se rattrapait de sa journée d'hier, hein, qui était un petit difficile pour malheureusement, les spectateurs. Malheureusement, la pluie s'est invitée là, à partir de 15h environ. Il y avait quand même des fidèles, hein, sous les parapluies. Et c'est vrai qu'il y avait de très belles équipes à voir. Et donc, c'est vrai que la grosse surprise, ça a été la défaite hier de l'équipe de Dylan Rocher, Stéphane Rubino et Jean-Michel Puccinelli en 32e de finale. Grâce à une très belle équipe, enfin grâce, grâce pour ses adversaires, en tout cas à cause de la performance formidable d'une belle équipe du Pouzin. Oui, il y a alors des choix qu'on a pu suivre. Moi j'avais quitté le plateau, j'étais dans mon appartement et je vous ai suivi. Et c'est vrai qu'on a vu, ils n'ont pas perdu de boule pratiquement de toute la partie. La belle partie, belle performance aussi hier de Kenzo Dubois qui a remonté une partie mal engagée contre ouais. Michel Loy. Kenzo Dubois qui s'est incliné hier soir face à Michael Bonetto. C'est un match entre espoirs. Eh ben, voilà. Le bouchon. Ouais, bonne opération pour Elfrick qui avait manqué, mais ouais. qui prend le bouchon. Vous l'avez vu. Et donc là, ce matin, il y a également les féminines, hein, puisque sur ce carré d'honneur, il y a 16 jeux. Et donc, les huitièmes de finale masculin-féminin se déroulent ici, au même endroit, alors que le soleil vient nous dire bonjour. On a joué court là. Hein.
Oui, on a joué court. Fraglia a décidé de prendre Foyot sur son propre terrain. On sait que Marco Foyot est un adepte à courte distance. En tout cas, ça, c'est une boule sur laquelle on ne tirera pas. Ouais. Ah oui, là, je pense que je sais pas si c'est une boule tactique, mais. Que nous avons la visite de l'ami Yves Renck. Yves Renck qui a un petit peu goûté de la pluie nyonnaise hier, puisqu'il a passé toute la journée, il s'est incliné que hier soir, face à Kenzo Dubois. Alors le tireur des rouges et noirs qui a un style particulier hein, au niveau du... Il a une préparation assez longue dans le rond. Ouais. Fafou Cognard qu'on n'a pas vu depuis très longtemps à la pétanque. Hein. J'ai souvenir d'une finale lors du premier international national à l'époque de Draguignan où il avait tenu la dragée haute à Dylan Rocher. Et là, Marco qui est resté très très court, alors que sa première boule était très très bonne. Mais là. Toujours le goudron bitumineux des carrés d'honneur de Nyons. Alors, on va avoir une expertise tiens, d'Yves Renck qui va s'approcher de mon micro et qui va nous expliquer encore une fois, comme chaque année, hein, la composition des carrés d'honneur. Parce qu'Yves Renck, c'est l'ancien président de la boule nyonnaise, c'est toujours le père tutélaire de la semaine de l'Olivier. Et puis, c'est aussi quelqu'un qui a fait sa carrière dans les travaux publics. Oui, et puis j'ai donné un coup de main pour tracer les jeux, puisque. C'est encore mon métier. Enfin, bon, je suis à la retraite, mais je sais comment il faut faire. Alors, la composition de ce sol, Yves. Ce carré d'honneur, eh bien, la composition du sol, c'est toujours la même chose. C'est un terrain de handball. Pour pas que les enfants se fassent mal, dans le béton bitumineux, on a inséré des élastomères. Donc, c'est du caoutchouc, en fait. Et dessus, on a mis un petit gravillon du Rhône, là, un 4-6-3 silico-calcaire, qui fait que les boules, il faut faire attention quand on les envoie, parce que ça bombe. Ça fuse. Mais je disais aujourd'hui, c'est qu'avec le mouillé, c'est un petit peu moins compliqué, surtout à la descente. Alors, merci pour cette analyse technique, Yves. Merci pour les enfants. Et puis, merci aussi pour tous les joueurs de boules qui ont sué sang et eau depuis des années sur ces carrés d'honneur. Allez, on revient à ce huitième de finale. Ah ouais, parce que là, les bleus de Marco Foyot. Marco qui a perdu sa deuxième boule de points et Jean Feltin qui a repris, mais apparemment par les cheveux, hein, c'est tout. Hein. Et là, il est bien passé à travers. Mais c'est pas gêné, Matraglia. Hein. C'est pas gêné de la première boule. Hein, ouais. S'il a tamponné, il savait qu'il pouvait s'en servir. Et là, je pense qu'on a essayé de jouer la boule à Marco devant. Et... Oula. Alors celle-là, elle n'a pas ramassé du tout. Hein. Non, là. Il est bien droit, mais ça démarre pas très bien pour les bleus là. Il reste 3 boules à une hein, pour les rouges. Le point par terre, un point en second pas très loin. Ça peut. Oh là là. Il a essayé de jouer les boules aussi. Alors là. A priori, ça peut faire une. Et Pierrot. Voilà, comme vous venez de le voir, vous pouvez tweeter et en utilisant le hashtag #BoulistesNotes et nous communiquer vos impressions, vos réflexions sur ce direct. De là où vous êtes. Voilà, au soleil ou sous la pluie, comme notre ami des Landes à l'instant. Deux points. Pour l'instant, et il reste encore deux boules pour les rouges et noirs. Donc,
Alors, Bouchon a été touché. On a vu, hein, la boule de Carfa est remontée très haut à l'envoi. Ouais. Donc deux sur après. Est-ce qu'il a perdu le troisième maintenant? On discute là. Y a pas, ça a pas. Ah, c'est vrai que comme les boules sont quand même assez à des distances respectables, on voit pas trop ce qui se passe exactement. Est-ce qu'on est sûr, c'est que là, il y a eu qu'une boule de jouer hein, pour les bleus. Alors. Oh là là, mais c'est... Et pas, on peut supposer 3. Alors, on va voir exactement. Ouais, on va attendre que le compteur tourne. Dès que Carfa sera approché du panneau de score. C'est 4 points. Pour Carfa non. qui mène. Non, c'est 3. Pardon, 3 ouais, points. Ouais, pour Carfa qui mène à présent 5 à 2. Oui, c'est ça, oui. Ouais, là, ça. Alors, Bouchon qui sera peut-être un petit peu court, mais Matraglia avait encore joué 6 mètres. Hein. Ouais, mais attends. Alors, l'arbitre arrive parce que ça a l'air discuté entre les deux équipes. Là. Donc, comme ça, je pense qu'il va. Un peu de tension, peut-être. Et puis, en tout cas, un choix intelligent de la part de ces joueurs de longue là, qui décident de jouer la courte distance là, pour, ouais. Pour le coup. Alors qu'on aurait pu penser qu'en étant des joueurs de Provençaux, qu'on voit plutôt le bouchon à 9,50 m, 10 mètres. Ouais, ça convient aussi à Marco Foyot, puisque là, il le met à 6,50 m. Oui, oui, bah oui, il l'a juste... ouais. Ah, Anthony. Bonjour, Anto. Anthony Fritsch, qui suit attentivement ce direct et certainement aussi l'arbitrage. Eh oui. Voilà, hein. Donc, n'hésitez pas à commenter, à aller sur Twitter, Instagram, nous envoyer des petits messages qu'on essaiera de passer sur l'écran de la web télé. Voilà, si vous êtes dans votre salon, je vous rappelle à nouveau que vous pouvez suivre ce direct sur votre télévision en utilisant le canal dédié par Dailymotion à Boulist Note. Hein. Voilà. Alors Marco là qui s'est accroupi cette fois. Eh oui, je crois qu'il essaie de jouer debout, mais là il s'aperçoit Marco Foyot qu'il va falloir peut-être solliciter un petit peu plus son dos et s'accroupir. Ouais, c'est vrai que comme c'est assez roulant en étant debout. Et puis à 6 mètres c'est très difficile de jouer debout. Hein. C'est bien frappé. Donc vous avez le tirage hein, des huitièmes de finale sur le forum. Et là, c'est vrai qu'il y a une belle rencontre, hein, Pierre, qui oppose l'équipe Malbec à Durk. Oui, beaucoup de gros chocs, là, évidemment. On s'y attendait avec le plateau qui était au départ. Ouais. Et on le disait pratiquement... les seules chutes d'hier parmi les favoris, ça a été celle de Michel Loire au palais de Cognac. Les chutes de Michel Loire, de Dylan Rocher et puis tard dans la soirée de Zvonko Radnik. Oui, il y a eu Ben Bolinas aussi.
qui avait justement fait une super remontée contre Michel Loi. Ah, il fait le temps, il est passé et en plus il passe derrière la boule. Donc un choix intelligent de jouer près hein, de la part de Matraglia, parce que ce sont eux qui prennent le tir à leur compte. Et on sait que sur ces jeux, si on oblige l'adversaire à pointer, il y a beaucoup de surprises. Hein. Ah là, c'est bien rectifié. C'est bien rectifié là pour Jean Feltin. Ouh là là, il a cassé la sienne, ouais, Kafa, mais ça s'est bien passé parce qu'il a... Il a fait carreau dessus. Il a fait carreau, il fait devant nos boules maintenant. Ça aurait pu être plus grave. Ah, puis un tireur, lui, qui peut un peu se gêner à 6 mètres, il a un gros balancier. Voilà, il fait palais sur le côté. Mais voilà, le fric est obligé de pointer, hein, puisque... La boule de Feltin est cachée là-bas derrière. Ah, c'est bien repris. Ouais, face aux boules. Et... Oh là là, le carreau de Matraglia. Oh, il fait mal celui-là. Il fait mal. La boule qui a patiné. Ah oui. Et ah, c'est repris, peut-être elle bouge, pour Elfric. Elle tremble encore. En tout cas, c'est très très bien joué. Alors, qu'est-ce qu'il dit Fouillot? Bah ouais, apparemment, il a dû le gagner. S'il l'a gagné, c'est énorme, hein, parce que c'est un point qui est à 4 doigts. Fouillot, il le veut pour lui, mais... Il n'y a peut-être pas de certitude. Hein. Il y a réunion de crise. Ouais. On va chercher l'arbitre, je crois. En tout cas, une partie qui se passe dans un très très bon esprit, vous le voyez, entre grands champions. Il y a même un spectateur qui vient donner son avis. Alors Marco Foyot a oublié son maître à la maison, donc il est en train d'en chercher un autre. Et on va pouvoir mesurer ce point. Alors, et là je sais pas si Pierre, s'ils ont le bouchon Marco, s'ils ont intérêt à continuer à courte distance. C'est ce parce qu'on va que voir. C'est quand même le jeu des rouges et noirs de jouer court. Moi, je pense qu'il faudrait essayer. C'est un peu contre nature pour Elfric et Feltin. Hein. Pour ces spécialistes de la pétanque, ça serait effectivement peut-être plus profitable d'allonger un petit peu. Parce que pour l'instant, courte distance, ils n'ont pas trop avantagé. Et de tester un peu leurs adversaires. C'est confirmé. Le point pour Elfric. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle pour eux. C'est un très gros coup que vient de faire Chris Elfric. Parce que vous pouvez penser que la marque appartenait à Matraglia après ce carreau. Il ne va pas y avoir grand-chose. Hein. Après le superbe carreau là de... Alors on va voir s'il change un peu de tactique ou pas. Mais moi je sais que j'allongerai un petit peu quand même. Oui c'est ça, on a décidé d'allonger du côté de Foyot. Eh non, bah là du coup. Ah bah non, là ça sera quand même certainement. On reste en dessous de 8 mètres. La boule à Foyot et quelque chose d'accroché à la boule.
pris un morceau de chiffon. C'est un carreau de cognac. Il est, à mon avis, pratiquement à 100% hein, sur ses tirs. On s'y attendait. Marc Cognard aime ses parties. Bien répondu là pour Elfrick, mais là il laisse de la place. On s'y attendait, ce sont trois garçons qui font de rares incursions à la pétanque, mais qui sont très très habitués au choc de haut niveau. Ah oui. Ah oui, bah avec le palmarès qu'ils ont, effectivement. Elle a glissé, sa boule. Hein. Oui, alors je sais, il a peut-être pas fait esprit, le matraglier, mais en tout cas, c'est une boule intéressante parce que il évite la contre-attaque. Il peut être sur un contre sur la boule adverse, le point n'est pas très bon, il va pousser Foyot à pointer, on va pouvoir tirer. Du côté des rouges et noirs. Ah ben voilà. Reprise nature là. Souvent, quand on essaye de se compliquer la tâche, on n'a pas forcément le résultat escompté. Une position de pied chez Marc Cognard qui n'est pas forcément à conseiller, mais qui n'est pas sans rappeler celle que commence à prendre Henri Lacroix. Hein. D'accord. Oula, elle était bonne là. Hein. Il n'a pas réussi à faire passer. Il a fait de la place, mais... ça n'a pas suffi. Donc on se retrouve 3 boules à 3. Et point pour les bleus ciel. Ah oui. On le sentait venir ce carreau de Chris Elfrick. Ouais, il est parti motivé au rond. Hein. Je crois que ça se passait pas très bien, donc je pense qu'il était un peu énervé. Et là, il est parti volontiers. Et on va quand même répondre, hein, même s'il y a 2 points. Oula. Voilà, c'est un coup de billard que vient de faire Anthony Carfa. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, il y a toujours le point là-bas. Il a frappé et en bas, les deux boules adverses. Ouais. Il a fait un strike, là. Et là, ça relance complètement cette main en faveur des... Ouais. Des rouges et noirs. Ouais. De 2 points, il se retrouve à moins 1. Et du coup, ça inverse... l'avantage de boule. Et là, c'était une boule de break qui est entre les mains de Carfa. Après, il reste encore une boule à Moineau Feltin, mais c'est poussé. Voilà, une main qui aurait pu être plus conséquente pour Marco Foyot, mais je pense qu'ils sont quand même contents de marquer. Voilà. Content, il partait sur une très belle main de tir, hein, Marco Foyot. En tout cas, ça réduit un peu le score, 5-4 pour Carfa. Ça réduit l'écart. Ça permet de rester dans la roue.
Voilà, donc là, on est à la montée, une huitaine de mètres. On le voit, on voit cette très bonne ambiance là qui règne dans cette partie, une ambiance qui n'est pas sans rappeler celle qu'on trouve au jeu provençal très souvent. D'accord, ah oui. C'est plus détendu qu'à la pétanque. Ouais. Point correct. On va dire, pour ce terrain-là de Marco Fouillot. C'est même un bon point. Je pense que là, même devant, il serait parti à au tir pour les rouges et noirs, mais là... Ouais, bah... Oh, ah bah deux. Allez, c'est contré sur sa boule pour Elfrick, mais c'est ouais, à peu près la même chose. Ouais. Hein, on se retrouve à peu près à la même distance. Pas de gros écart. On sent la machine Elfrick qui se met en marche. Bah, c'est vrai que sur les premières mains, il a été obligé de pointer. Donc c'est vrai que pour un tireur, après se remettre. Ah voilà. Ah, c'est bien joué, c'est bien positionné pour Matraglia. Ouais. Là, cette fois, effectivement, il a bien cherché à droite, là-bas, mettre en danger la boule d'Elfrick. C'est bien tiré. Bien tiré sur le côté. Alors, ce qu'on peut voir nous ici, Fournier mène 5 à 2 contre Hernandez. Malbec, c'est Durk qui mène 6 à 3 contre Malbec. Ah, c'est regagné. Il a pris un peu des risques, Carfa. Il avait soulevé sa boule. Alors. C'est poussé. En tout cas, une partie qui se déroule sur un rythme soutenu, oui. Gilles. Oui, oui, oui. Là, il n'y a pas de. Ouais. Bon, ce sont des garçons qui sont habitués à courir. Hein, donc, ils n'étaient pas très longtemps à aller au rond. Ouais, et puis je pense qu'Elfrick et Feltin. Oui, c'est pareil, ça leur convient. Oh là là, c'est presque un bouchonné. Ouais. Et le bouchon a tourné un petit peu, mais ça fait rien. Et ça suffit. Ça suffit. Oui, 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 parce que là, bah, le tireur. Et bon, on se retrouve deux boules pour le tireur, une boule pour Marco Fouillot. C'est encore frappé pour Cognard. Ah ouais. Une partie où il y avait de bonnes stats pour le tireur des Bouches du Rhône. Je ne sais pas s'il a manqué une boule depuis le début. Ah, il court. Ouh là là, oui. Une boule qui n'est peut-être pas arrivée. Je sais pas. On les voit arriver d'un pas décidé, mais est-ce que c'est pour tirer ou pour pointer? Ah non, non, il y a un point au sol pour Matraglia. Ouais, c'est ça, il est resté court, Marco Fouillot. Il est resté court, là. Eh ben, il force pas à tirer. Et c'est parfaitement joué pour Cognard, une boule qu'il a jouée complètement à l'extérieur, la ramenant vers la droite. Ouais. Et deux points de plus. C'est comme ça qu'il fallait la jouer. Ça fera 7 à 4 alors. Ça fera 7 à 4. Ah, ben là on va être au pied du podium.
Il mène la course, le Matraglia et ses amis. C'est ce qu'on attendait de ces champions qui tiennent la dragée haute à l'équipe de Foyot. Alors c'est bien engagé pour Matraglia, vous allez le voir dans quelques instants. Et c'est cadré pour Elfric. C'est cadré pour... Charlet mène 6-1 devant Damota. Encore un joli point là. Pour le pointeur de la boule Tulézanne. Et c'est encore cadré pour Elfric. Les deux boules sont en jeu. Ouais. Est-ce qu'on s'achemine vers une mène à 6 frappes ? Allez, ça c'est la boule qui fait réfléchir, Gilles. Ouais. Ouais, mais apparemment, c'est décidé. On va pousser. Ah, c'est juste frappé. Le point reste à Matraglia. Alors, c'est vrai qu'il y a, il y a le premier palais de d'Elfric, mais non. Non, Foyot a décidé. Alors, on va peut-être vous montrer ça en élargissant un petit peu le champ. Voilà. Voilà, vous le voyez, c'est la boule à droite qui a le point et ça va être au. À Cognard de tirer. Pour prendre le tir à son compte, plus exactement. Ah, très belle reprise là de Marco Foyot. Très très belle reprise. Et déjà dans le rond, Cognard. Ah, il a vraiment un. Une préparation au tir particulière. Hein. Ah ben là, il peut pas courir le pauvre. Hein. Ah oui, d'accord. Surtout une grosse prise de concentration chez Fafou. Et oh. Ce petit carreau, ce petit palais exactement. Ah, monsieur l'arbitre qui arrive et c'est l'arbitre qui indique Cognard très certainement il a fait une faute de pied alors laquelle ouais. Je pense qu'il doit sortir du rond avant que la boule arrive. Non, mordu le rond derrière. Voilà, il a mordu le rond Marc Cognard. Est-ce que c'est derrière? Est-ce que c'est devant? C'est vrai qu'avec son positionnement de pied... Alors, ça, c'est un moment toujours délicat pour un tireur. Parce qu'il va regarder ouais, ça quand il va aller tirer sa deuxième boule. Voilà. Et il va falloir qu'il fasse abstraction. D'abord qu'il ne refasse pas la faute. Ah oui, parce qu'il met les pieds un derrière l'autre. Il a certainement mordu le rond derrière. Là, il se met vraiment de travers, hein. Les pieds. Ça l'a pas gêné pour
pour frapper. Alors, toujours deux points au sol. Ouais. Pour les rouges et noirs. Et là, on est une boule à deux. Ouais. Avec la boule juste chiquée de Feltin, ça fait perdre l'avantage. Ah, c'est bien repris. Hein. Et non, c'était boule à boule. Voilà, c'est bien, oui. Mais frapper, ça fait déjà deux points, ouais. Sans dégâts. Et Carou. Oh là là, c'était une boule de 9 ou 10 à 4 hein, qu'il ouais. avait ouais. Anthony Kerfa entre les mains. Et ça fera 7 à 5. Oui. Là, les bleus peuvent respirer. Alors, on va attendre, je pense, quelques instants, puisque le jeu d'à côté, le bouchon s'est déplacé. ⁇ 7-5 donc toujours pour Kerfa face à Foyo. Faut le tenir au chaud. Ouais. Pauvre bête. Donc on va vivre un petit temps. Mais sur le dos, faut la tenir au chaud si elle veut. Voilà, a priori. Ah ben, en plus, c'était une main qui termine la partie là pour les féminines. Ah, voilà. Et Marco Foyo qu'on voit avoir du mal à se baisser. Hein. Pourtant, ouais. L'autre jour, il avait un ramassé. Il va falloir, ouais, parce qu'on a vu qu'il avait repris le chemin du but là, depuis qu'il s'accroupit. Mm. Alors, et là, par contre, on a décidé d'allonger, certainement de tester les adversaires sur entre 8 et 10. Voilà, c'est ça, 9,50 m. Ah oui, là, c'est... Alors, qu'est-ce que... Durk mène 9 à 3 devant Malbec. Hernandez Fournier 6 partout. Ah, il a joué debout. Alors là, la boule elle est partie complètement à l'écart là. Après. Safor, notre ami Patou 33, mène 10 à 2. Devant les Ardéchois de Chazelle. La belle reprise là pour les rouges et noirs. Alors que nous avons le privilège d'avoir près de nous le meilleur speaker du monde, Marc-Alexandre. Quand je verrai ma présidente de comité de l'Ain, oui. Je la présenterai, elle est par là. Ah, tu la connais bien. Ah, vas-y. Et là, il a repris
Alors oui, effectivement, là, maintenant, parce qu'il est devant nous, je pense effectivement sa faute de pied, là, son pied gauche, là, est vraiment à ras le cercle derrière, donc tout à l'heure... C'est ça, puis Cognard, lui, il est plutôt habitué à mettre qu'un seul pied dans le rond. Hein. Eh oui. Pas droit. Ah. C'est vrai que la distance n'est plus la même là. Hein. Exactement. Ça a peut-être payé effectivement, mais bon, comme un joueur habitué sur les distances longues. Donc, il galère un petit peu pour mettre les deux pieds dans le rond là. Ouais, c'est surtout là-dessus qu'il se concentre, Marc Cognard. Ah, alors là, je crois qu'il va y avoir un deuxième carton orange cette fois, et donc... Ah oui, parce que là, oui, il est sorti. Ah oui. Là, la prochaine boule sera... Là, le carton orange, alors le carton jaune, il était pour toute l'équipe, enfin, je crois, si je ne m'abuse... Non, c'est pas la limite de temps. Ça concerne uniquement à lui, Marconia. Ouais. C'est-à-dire, c'est sa prochaine boule qui sera annulée. Voilà, c'est ça. Il ne jouera qu'une boule sur deux à la prochaine main. Alors peut-être un moment important de la partie que nous vivons, Gilles, parce que là on a après la boule manquée de Carfa qui maintenait Foyot à hauteur. Bonjour Lolo, on essaye en étant haut dans le podium, on voit pas toujours tout bien les scoreurs là, les marqueurs, mais. Alors, on discute. Ah, attention, parce que l'arbitre est bien chaud là, et maintenant ça va être la minute là, qui va être décotée là. On aura vu tous les. Bon, apparemment, sur l'arbitre n'a pas sorti son chronomètre. Il est juste focalisé sur les positions de pied. Alors, il nous reste la minute et il nous reste les bouchages de trous. En tout cas, moral qui commence à descendre là, du côté de Carfa. Bah c'est vrai que ça hoche un petit peu le jeu, il a joué fort dessus. Oh, c'est bien joué. Alors, est-ce que ça a suffi? Est-ce que ça a suffi pour... En tout cas, on bétonne là un petit peu et ça peut payer sur ces jeux. Apparemment, il... Alors, est-ce qu'il s'est fait du bien, Garfa? Parce qu'il a mis sa boule en d'autres en bouchons. Ça peut être le pénalisé par la suite. Nous allons voir. Ah, c'est bien joué. Ah ouais, là il a fait une petite refonte. C'est bien joué, d'autant qu'il a la deuxième boule de Carfa est à l'arrière sur un coup de bouchon, ça peut aider. Alors on va tirer devant. Voilà. Ouh là il a tourné le bras là. La boule qui n'est pas montée là. Mais je pense que peut-être que les on a fait toute la partie à 6 mètres, Gilles. Hein, donc les premières boules à 9 mètres, forcément, en pâtissent. Sont pareils. C'est pareil pour les deux tireurs. Et puis bon, il y a eu cet incident au milieu. Donc même si ça concerne les rouges et noirs, mais bon.
Voilà, bah, ça En tout cas, voilà, donc au niveau des scores, vous pouvez suivre l'évolution également sur le forum. Hein. Donc en temps quasi réel. Voilà, hein, toutes les 5 minutes à peu près, enfin selon l'évolution. Donc le point est toujours pour Marco Foyot. Ah ouais, joli, superbe rajout là de Jean Feltin. Donc là, on est déjà 7 partout normalement. Ah oui, ah, superbe. C'est très bien joué. Superbe, c'est une... à 3, c'est... Et ben on ouais, une maillot qui... jaune. Hein. Exactement, et surtout une équipe qui va envoyer le bouchon, mais qui va récupérer immédiatement son avantage de boules, hein, puisqu'ils vont jouer à 6 boules contre 5. Là. Et oui, et donc on voit là une réunion arbitrale avec Patrick Grignon, le responsable des arbitres sur cette internationale. Allez, tout ça pour une boule où Cognard a mordu à l'arrière du rond. C'est, ouais. Et puis après sorti du rond. Ouais. L'arbitrage que je me permettrais de trouver un petit peu sévère, hein, sur ce premier carton jaune, parce que la partie se déroulait dans un très très bon état d'esprit. Alors après, est-ce qu'il y a eu déjà un avertissement verbal qui nous a échappé? En tout cas... qui va là, durcir un peu cette partie. Ouais, on continue à jouer long là. Et le règlement a été rappelé et il va falloir s'y plier. Il n'a pas profité, Marco Foyot, ouais, sur cette entame. On a entendu un drôle de bruit. Eh bien, donc 8 à 7 hein, pour les Bleus. Qui prennent le maillot jaune là, et qui passent également à la mi-partie. Très très bien pointé là. Oh, joli palais là. Belle frappe de Chris Elfrick. Et là, il y a une partie qui s'est terminée. Et on peut penser que Durk a gagné contre... Ah oui, c'est ça. Patrick Ranguet. Oh là là, Durk, il est un petit peu court, Matraglia. Mason Durk. Battu Kevin Malbec, le tenant du titre. Oh, la pique est dure. Ah, les rouges et noirs, là, je pense que...
C'est un court. On sent quand même que le cœur n'y est plus, oui, là, de, du côté de l'équipe CARFA. Ça les a perturbés. Décision arbitrale a été prépondérante à cette partie. Ouais, ces deux interventions arbitrales là. Bah lui, normalement, donc il doit plus jouer qu'une boule normalement. Hein. Et non, Bruno Murphy, il n'y a pas un arbitre sur chaque jeu. Voilà, bah c'était son jeu, mais il est rentré qu'une fois. Et là, Chris Elfrick, il a une belle boule hein, pour. Et là, c'est 4 boules maintenant dans les mains de Foyot. Ouais. Et pratiquement 2 points par terre. Hein. Donc, s'il frappe bien et qu'il cadre, ça peut. Ah, c'est manqué, il n'a pas levé le bras. Oui, ça suffit. Et peut-être pas. Alors, on regarde si le tir de Monofelten est suffisant. Ça n'a pas l'air, hein, Foyot, il n'a pas l'air emballé. Hein. Eh non, ça n'a pas suffi. Alors qu'on voyait une belle mène pour l'équipe de Foyot, et ben au final, c'est les rouges et noirs là qui marquent. Peut-être l'instant. Une réaction inconsciente aussi, c'est toujours gênant pour ces grands champions de profiter d'une boule à moins de l'adversaire. Ouais, non mais c'est sûr. On oui, l'a je vu pense que... plusieurs fois cette année, on l'avait vu à la finale PPF où Quintet avait rendu la boule à Mandimbi. Ah. Alors. Oh là là. Alors, monsieur l'arbitre a quelque chose à dire. Eh ben, c'est un carton jaune pour Monofelten. C'est une pluie de carton. Hier, c'était la pluie tout court qui tombait sur Niros. Maintenant, c'est une pluie de carton jaune, de carton orange là, qui arrose les carrés d'honneur. Je crois que c'est pour également avoir mordu le rond. Pour avoir mordu le rond, là, Jean Feltin. Ah bon, mais quelque chose qui m'a échappé, c'est il me semblait carton mais... orange. Et la boule. Oui. Pas. Et là, on s'attendait à ce que Carfa ne joue qu'une boule. Alors, on va peut-être avoir une interview de l'arbitre en fin de partie. Et c'est Foyot qui arrache la marque. Ah oui. Avec un mal de dos. En tirant un petit peu sur sa vertèbre. Ah ben elle était importante celle-là. Hein. Oui. Ouais, c'était le boulot de Marc. Hein. Mmh. Alors un point pour Foyot. Qui mène à présent 9-7. Fournier mène 8 à 6. Safor mène 11 à 2. Charlet mène 7 à 4 devant Damota. Voilà, c'est ça, ouais. Ouais. De toute façon, elle avait rien fait, alors. Bah.
Voilà, moyen, on ne sait pas sur ce terrain difficile. Mais c'est derrière. On a tourné. On a rejoué un petit peu plus court là. C'est Anthony Carfa qui prend le point. Exact. Oh là là, elle est partie la boule de Carfa. Elle a roulé. Elle est bien au jeu, mais. Ah, deuxième essai, le bon. Une boule qui est intéressante, puisque. Elfric est sous la. Bonjour. Sous la menace d'un carreau, d'un contre, pardon. Ah, bien emmené. Alors, 7 à 6 pour Charlet contre Damota. Allez, on a retrouvé un peu d'énergie du côté de Matraglia. Le seul point concédé la main précédente a dû un petit peu amortir les péripéties précédentes. Et c'est poussé. Ah, il est court. Oh là là. Il est court, mais apparemment on va aller attaquer. Ah. Ah ben, je crois qu'il est un petit peu perturbé, hein. Un petit peu dégoûté, Fafou Cognard. On a en salle les trois hommes pressés de retrouver l'univers des trois pas. Ouais. En tout cas, une partie qui va fournir des discussions sur Bruce Note, je suppose. Oui, sûrement que ça a déjà commencé dans le forum. En tout cas, alors on peut se réjouir que le règlement ait été respecté à la règle, on peut aussi regretter que cette partie était un petit peu gâchée. Ah, la voyait belle hein, pourtant, ouais. Il a passé à travers Marco, il a dû laisser deux points. Ouais, d'autant que ça enlève aussi un peu de jus aux adversaires, hein, on le disait tout à l'heure. Ouais, c'est sûr que... La fête qu'on nous promettait a été un petit peu gâchée, effectivement. Bah, ça a arraché encore un point. Hein. Ça fait deux mains de suite que les Bleus auraient pu prétendre. Ça moins d'énergie de part et d'autre. Hein, ouais. La dynamique de cette partie a été cassée. Ouais. Il y a eu cet intermède là qui a cassé un petit peu le ressort. Mais. D'autant que je regarde autour de moi, il y a 16 carrés d'honneur occupés et monsieur l'arbitre ne s'occupe que de celui-là. Un arbitre qui s'est pris de passion pour cette partie, décidément. Donc,
dans les parties voisines, on peut mordre le rond. Personne ne surveille. Ah, belle entame là. Ah, alors, donc on vient de voir Fournier passer devant nous. On peut supposer qu'ils ont gagné. Ah, ouais. Ah, ça c'est un beau carreau de cognard. Je sais plus qui est qui là du coup là. C'est poussé mais sans plus. Ça n'a pas fait passer le tir de Chris Elfrick. Alors, Christian David, effectivement, il semblerait que le règlement ait été respecté, mais qu'on demandera des éclaircissements tout à l'heure à l'arbitre, parce que il semblerait que c'est la main précédente que la boule de Cognard a été annulée. En tout cas, ça s'est fait sous le regard de l'arbitre, donc ça a dû être fait correctement. Ouais. On demandera quand même des explications après la partie, parce que je t'avoue, Christian, qu'on n'a pas nous-mêmes tout compris. Voilà, on essaiera effectivement d'avoir les informations précises. Oh, oh, hop, hop, oh. Alors, tout a bougé. Ouais. Est-ce que il a eu. Est-ce que le point est resté à Cognard ou pas sur la... Voilà, chez les féminines, on va lancer un petit coup d'œil à la partie de Floriane Vernil. La réponse, c'est non pour le point est resté à Foyot. Qui a remporté son huitième de finale, accompagné de Pascal Choron et d'Émilie Diruza. Encore bien pointé là pour les rouges et noirs, et cette fois c'est Jean Feltin. Oula, ah là, ça va être plus compliqué maintenant. Eh ben c'est... Ah non, il reste une boule. Il restera une boule pour les rouges et noirs.
C'est juste chiquer. Ouais, mais ça a dû suffire, pardon. Mais... Boule pour avoir le point, là. Et même, ouais, et même c'est deux. Le petit palais de Matraglia. Et ça s'arrête au point. Eh bien, 9 à 10, ça s'est pas encore décanté hein, dans cette partie-là. Ah, bouchon n'est pas bon. Donc on va repousser le rond là. Voilà, donc le bouchon posé à la main. Ah, notre bouliste note, Patou 33, vient de l'emporter. Kerfak a toujours du mal là, à maîtriser ce terrain. Patou 33 avec son équipe de vétérans là, champion de France 2015. C'est regagné pour Fouillot, mais toujours à 80 cm du but. Oh là là, oh là là, oh là là, c'est court. C'est court, c'est peut-être perdu pour Kerfa. Là, j'ai des copes. Non, c'est regagné. C'est regagné de justesse. Alors, on discute un peu parce que. Mais Fouillot veut pointer. Et c'est parfaitement repris. Jeu provençal, comme c'est des provençaux, c'est pas comme voilà. Si tu arrives à c'est aussi, encore repris pour Moineau Feltin. Le problème, c'est que là, je vois plus le départ de la boule maintenant. En tout cas, une boule qui va permettre à Matraglia de pointer. Super, je sais pas quoi, donc c'était pour ça. Éventuellement, c'était un clin d'œil comme c'était des joueurs, provençaux. Merci. Thank you.
Une mène qui commence à devenir extrêmement intéressante pour Marco Foyo et ses amis. Ah oui. Qui ont à présent, Marco Foyo, qui a à présent 3 boules contre une. Si, oui, ça va. Il est fou. Ouf. C'est juste chiqué, certainement insuffisant pour Elfrick. Ça n'a pas l'air de. On va en continuer. Et encore une boue, une main qui redevient décise. Ouais. Profite pas. Oula. Il a pris de côté. Alors, Lacroix également qualifié contre Gino Debar. C'est le sixième. Il reste 2 parties de l'international masculin, dont celle que vous suivez actuellement. Oh là là, le carreau de Cognard. Ah oui. Bah là, faut pas qu'il se trompe, Jean Feltin, parce que. Exactement. Voilà, elle est partie. Ouh, elle est partie cette boule. Là, ouais, mais la chance de venir percuter la boule parce que. Un point pour Matraglia, c'est sûr. Et on regarde les suivants. Parce que là, il y en avait 2 de servis. Hein. Derrière là-bas. Ah ouais, ouais, c'était pratiquement 3 points qui. S'il n'avait pas touché la boule. Ah oui, oui, oui. Eh ben, on va faire mesurer l'arbitre. Apparemment, non. Donc, égalité pour l'instant. Dans la partie qui reste également avec celle-ci, Damota mène 7 à 10 contre Charlet. Alors, est-ce qu'il y a eu un ou deux points? Qu'est-ce qui a décidé? On va voir le compteur tourner. Et bah, 10 partout. Hein. 10 partout. Et ouais, ben on arrive bientôt à 1h30 hein, de jeu. Alors qu'on arrive dans les mains du cœur. Ah là, ouais. Je pense que. Ce qui ne devrait pas déplaire aux 6 joueurs de cette partie. Ah, la mauvaise entame là. Un point à pratiquement 1 mètre derrière. Il y a beaucoup de difficultés, Kerfaré, à apprivoiser ces jeux. Et on continue à jouer pas très très long. Hein. Ah, belle reprise d'Anne Marco. Oh là là,
celle-là, ça c'est une reprise extrêmement intéressante. Alors là, le Genois. Le boule qui va être difficile à tirer pour Christel Frick. À tirer seul du moins. Oh là là, c'est fait. Oh. C'est superbe. Ah oui. Ah ouais, là. Une frappe chirurgicale du licencié de Loubera. Ah oui. Là. Alors, qu'est-ce qu'on va décider de faire ? On pointe, et c'est bien pointé, mais ça n'a pas dû suffire. Non. Eh bien, le septième qualifié sera l'équipe d'Amota. Oh là là, c'est encore une frappe superbe de Cognac. Ah oui, en plus, il re... qui remet en jeu la boule de Matraglia, qui fait compter la sienne. Ouais. C'est vrai qu'il y a 10 à 10 là maintenant, hein. Chaque boule pèse fort. Hein. Une reprise délicate là, pour Foyot, on l'a vu hein, ouais. Sur ses jeux ouais, à la descente. 4, là. C'est un très bon point. En plus maintenant, ce matin c'était mouillé comme l'a dit, nous l'avait dit Ivrinck. Mais là ça a séché. Et... Ça sera bien repris. C'est oui, fait, oui, c'est en plus, superbe. Elle est venue tourner un petit peu en face de la boule de son adversaire. Toujours là, le grand Foyot. Ah, là, on l'a vu, hein, le coup de poignet pour bien rouler la boule. Ah, ouais. Carreau de Cognard. Ouais. Une belle, belle fin de partie, Gilles. Ouais. Je crois qu'il y a eu effectivement l'intermède des cartons, là, tout ça, qui a haché cette partie, qui a cassé le rythme. Et là, sur la fin. Et c'est repris pour Feltin. Ouais. Personne ne veut lâcher, hein. Alors, vous savez, on a six joueurs qui sont habitués des grosses, grosses oui, parties. Des grosses rencontres, effectivement. Donc, il y a du cœur. C'est frappé pour Matraglia. Alors, qu'est-ce qu'il reste ? Eh ben, il reste une boule à Feltin, une boule à Elfrick. Matraglia qui vient de frapper déjà pour... tout simplement pour... Pour ne pas perdre. Pour ne pas perdre. Par contre, eux, ils ont 13 par terre. Et on peut supposer quand même qu'avec deux boules, on va au moins en couper un. Deux gros accidents pour que Loubera voit sa dernière romaine. Ah ben déjà, une boule qui n'est peut-être pas rentrée du deuxième. Alors, donc, là, il tire pour le point, là, Chris Elfrick. C'est fait. Et bien, ça fera un. 11 à 10 pour Foyot. Et ils ont eu plusieurs mains, les bleus, hein, où ils ont eu des avantages et ils n'ont pas véritablement profité, hein. C'est difficile, et on est 11 à 10. On est à 8e de finale, on sait qu'en plus ces parties sont compliquées le dimanche matin pour arriver en rendant le maximum.
le nombreux public nyonçais, ben maintenant a les yeux rivés sur cette partie hein, qui est la dernière du carré. Qui tient ses promesses, Gilles. Hein. Avec, oui. Avec maintenant de l'intensité, là, 11 à 10. Et également de 2. Il reste encore deux rencontres féminines, dont une concernant l'équipe de Bron de notre ami Damiouche. Ouais, c'est bien entamé pour Fouillot. Ah oui, belle entame là. Oui. Et c'est un nouveau petit carreau pour Fafou qui finit cette partie en trombe. Et il s'est encore bien pointé. Hein. Ah oui, on s'en régale, Gilles. Ouais, bah ouais, là. Alors, on va attendre un petit peu, puisqu'à côté, c'est Émilie Tauban du club de Bron. Vous voyez les boules là-bas. Avec Claudine Gorini en face. Oh, superbe frappe devant le bouchon, là, d'Émilie Tauban. Et le président qui est à mes côtés a dit voilà. Il y aura une tablette de chocolat. Oui, Damiouche qui se fait du souci puisqu'il y a une rencontre de Coupe de France cet après-midi à Rumilly pour Bron. Et il a fait un superbe palais. Cognard qui venait de, à nouveau de faire un carreau. Pas vénard là. Hein. Ah, il est vraiment pas vénard. Il avait fait un superbe tir. Ah, bien joué là. Bon, il reste de la place, mais bon, il fallait éviter les boules devant. Hein. Oh là, superbe. Ah, c'est superbe. Ouais. Là, on doit être à une dizaine de mètres. Oh, oui, ouais, je pense que là, avec le bouchon. Ouais, pas droit. C'est manqué pour Elfrick. Pas droit pour Elfrick. Et un petit peu haut, d'ailleurs. Et là, 3 boules pour les rouges et noirs, plus que 2 boules pour les bleus ciel. Et le point de Feltin, il n'est pas. Alors qu'on retrouve le sourire du côté de Cognard, Matraglia et Carfa. Cognard qui félicite Carfa parce que ça faisait quelques semaines qu'il a été en délicatesse avec le point. Anthony. Eh bien, on a quand même décidé de casser des points. Hein. Ah ben oui, parce qu'on va, ah, on va partir pour hein. frapper deux fois et tout simplement d'enlever la possibilité de gagner à Matraglia. Oh là là, ces casquettes, ça ah, ouais. Alors c'est là, très très embêtant là. Pour l'équipe bleue. Ah oui, parce que... Eh oui. Maintenant, c'est une vraie chance de gagner sur la main que possède Matraglia et ses amis. Eh oui, ils ont 3 boules.
Et à la limite, deux frappes et c'est gagné. Hein. Puisque devant, il y a quand même, si elles sont loin, il y a quand même les deux points des rouges et noirs. Hein. Donc là, il. Mais encore une boule entre les mains de Feltin. On sait que quand Feltin ouais. a encore une boule, rien n'est fait. Ah, c'est bien joué, mais là, deux frappes et c'est gagné. Hein. Alors, on va attendre un petit peu. On va laisser tirer à nouveau Émilie Tauban. Alors, deux frappes ou deux ajouts, Gilles. Mais en tout cas, pour ajouter, il va falloir prendre la partie gauche du terrain. Oh, ouais, superbe. Deux tablettes de chocolat pour Émilie Tauban, a décidé le président. Pas nous en mettre un peu là des tablettes alors qu'est-ce qu'il veut? Non, apparemment on veut pas tirer hein. Alors, on regarde surtout on regarde du côté où on va jouer parce que il faut du côté gauche c'est ouvert mais il faut remonter la boule ouais. Et puis, c'est assez compliqué et là on demande plutôt à Carfa de jouer entre les deux boules je pense. Ah ouais, sur la droite hein. Ils veulent ah ouais, c'est surprenant qu'ils veulent pas tirer cette boule hein. Mais bon en tout cas Faf qui harangue son milieu. Ils veulent finir au point. Oh, c'est très, très. Oh là là, elle s'est couchée au dernier moment cette boule. Félicitations à Patou 33, Patrick Safford. Qui est qualifié pour les quarts de finale. Et donc toujours deux points en second pour Foyot. Un second et un troisième. Et la moto. Frappé deux fois pour Matraglia. C'est manqué. Eh bien, ils vont pas gagner là. Ouais, je comprends pas trop leur décision là. Ça a fait complètement déjouer le pointeur là. Je comprends pas pourquoi ils n'avaient pas tiré de suite cette boule de Jean Feltin. Ben, ils voient qu'il y a du monde, ils veulent que la partie dure. Je crois pas que ça soit ça, mais en tout cas, nous on se réjouit. Les organisateurs, ils doivent pas être trop contents parce que les quarts de finale. Alors, en tout cas, une vraie occasion là par contre pour Matraglia de monter à 12. Cette fois-là, la partie gauche en la remontant, il l'a fait en perfection. Matraglia, oh là là, et on bouche un giclé. Bah, du coup, c'est le rouge et noir qui doit avoir le point à droite, je pense. Ça va être la boule de Kerfa qui avait dérivé. Alors ça rigole bien là-bas. Donc en tout cas, toujours ce bon état d'esprit tiens, qui est revenu. Ouais, ouais. Un peu plus, il donnait la victoire. Il y avait les deux boules. En tout cas, de Feltin. Si le bouchon va moins loin, il leur donne la victoire. En tout cas, une main dont on reviendra qu'il y a eu deux coups de bouchon contre l'équipe Matraglia. Ah, c'est ce que dit Chris Elfrick. Si le bouchon bouge moins de 10 cm, il allait gagner. Oh là, impensable. Impensable, ah ouais. Bon, eh bien 11 à 11. Hein. Allez, et Cognard qui fait travailler un petit peu, monsieur Bruno Varesco, l'arbitre départemental, qui suit cette partie attentivement. Ouais, c'est bien ça, hein. Ils ont eu peur. Hein. Oh là, allez, super. Et Kerfa qui maintenant a pris la mesure du terrain. Ouais. Et on reste toujours très court. Hein. Ah, belle. C'est poussé. Cadré pour Cognard.
alors qu'on est en plein dans le money time. Chaque boule compte à présent. Alors, là on va jouer tactique. Voilà, on a l'avantage, on a l'avantage au nombre de boules du côté de Foyou. On va jouer une boule alors, certainement à l'écart pour. On voit Elfric qui donne instruction à Foyou de jouer à sa droite et Feltin de jouer à gauche. Ça donne envie de jouer au milieu. Hein. Donc, conclusion, je joue au milieu. Non, je crois pas. Je crois qu'il va jouer un petit peu à l'écart, Marco Foyou. C'est trop ça. Bah, pas coup, si à l'écart que ça. Hein. C'est allez, passé. C'est encore cadré. On discute encore parce que là, alors, la seule mésaventure qui pourrait arriver à Foyou là, pour l'instant, c'est que c'est de prendre un carreau près du bouchon. Eh oui. Qu'il faudrait rendre. C'est. D'où la, on discute. La volonté encore de se mettre ça un va. Petit peu à l'écart là. Oh, il n'a pas du tout écouté ses partenaires, hein, Foyou. Et le fric et Feltin, ils étaient à 2 mètres du bouchon et du coup il vient à 15. Et voilà, un petit carton jaune de M. Varesco qui en avait encore dans sa poche. Alors, pour. Pourquoi ? Alors, pour. On n'a pas l'explication, on va essayer de l'avoir. Pour le rond, pour la minute, ou pour l'ensemble de son œuvre, peut-être, hein, tout simplement. Et alors, c'est alors, un petit palais dans la traglia, ça marche toujours. Alors où est le point là? Parce que les boules sont à 4 mètres derrière. Marco qui veut peut-être s'assurer s'il y a deux points peut-être, je sais pas. Oui, et puis qui s'adresse directement à Patrick Grignol. Alors maintenant on a deux arbitres sur la partie. Ah ouais, mais c'est la dernière qui nous reste donc. Si ça okay. Dure encore quelques minutes, on va en avoir un par joueur. Et apparemment il y a des quarts de finale féminin. Des quarts de finale féminin ont démarré. Non? Pardon. Non, c'est encore. Alors, Foyou qui vérifiait, là, faisait vérifier si, s'il points. Avait le point en second. Ouais. Alors, il voudrait avoir une boule qui soit positionnée face à la boule adverse. Là, c'est une leçon de tactique. Allez, toujours Laurent Matraglia qui est le dos au mur. On va... Si on décide de tirer, il va falloir. C'est avec interdiction de manquer. Ah oui. Bah, c'est vrai que là, 11 par partout. Contre, on se demande si on ne va pas pointer. Ouais, on réfléchit là. Hein. Ce qui serait quand même défier l'adversaire. Hein. Alors, on est comment là? Une, deux boules. On est deux boules à deux, c'est ça? Non. Si. Deux boules à deux. Deux boules à deux. Alors, Alexis Schneider, Kerfa joue à la boule tulézaine de cette tulle près de Malosque.
Là, on défie directement Jean Feltin et Christelle Frick. Là. Ouais. Qui vont. Oh, c'est manqué. Et ça a fonctionné. Ah, c'est bien manqué. Hein. Ça a fonctionné parce que maintenant. Ah, il va falloir. Il va falloir soit pointer et s'exposer à carreau gagné, soit tirer avec obligation de cadrer. Oui, avec obligation de cadrer, tu as raison Pierre, parce que effectivement, hein, ils ont le point derrière, donc là la boule manquée d'Elfric, elle compte, elle fait cher. Hein. Il n'y a pas du tout envie de tirer, Moineau Feltin. Hein. Mais persuadé de le faire, il faut absolument cadrer. Voilà, hein. Et il y a obligation de résultat. Hein. C'est fait. C'est fait. C'est fait, c'est superbe. C'est superbe. Et maintenant, c'est 13 par terre au Foyot. Et une boule entre les mains de Laurent Matraglia. Hey. Hello. 12 à 11 pour Matraglia face à Foyot. On se régale alors que cette partie vient de dépasser 1h45. Incroyable. Et là, on ne peut pas dire qui va sortir vainqueur, Pierre. Ah non, absolument pas. En tout cas, une partie qui tient largement ses promesses. Et la table de d'entrée, Pierre Fa, la pression. Qui met tout de suite, qui sollicite tout de suite Christelle Frick. Ouais, palais c'est pour Christelle Frick. Très très bien tiré parce qu'on est près, oui. près de la on ficelle et un tir qui aurait fait sortir les deux boules obligé Foyot à jouer. C'est Kerfa qui va devoir bien jouer. Tiré devant. Il y a peut-être un peu plus de gravier là-bas. Oh, c'est... Ah si, oh là. Et on continue. Oh, c'est un superbe carreau qui ferme le jeu. Ah, il fait. Ils sont là, les costauds. Et le carreau de Cognard, c'est super. Bien rendu, qui sert le point. Ah oui. Et bien cette fois, c'est à Feltin. C'est à Moineau Feltin, là, de lui rendre la monnaie de sa pièce, peut-être. Voilà. Et il est resté. Quelle fin de partie. Ah oui, là. Et bien 13 par terre, là. Mais 13 par terre, 3 boules à 3. Oh, il est court. Oh là là. Aïe, 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 aïe. Aïe. Là, ça va être plus compliqué.
il a regagné Matraglia, mais il a rendu une boule. Eh oui, il a rendu une boule. Ah ouais, là. Ah oui, c'est superbe. C'est superbe. Et il sent l'arrivée, Feltin, et ça va être... Foyot, il a deux boules pour gagner. Foyot, il va falloir qu'il joue les deux, certainement. Hein. Si toutefois, Cognard gagne le point. Alors déjà, une boule très très importante dans la main de Cognard. Oh, c'est magnifique. Eh bien, deux boules, ça joue deux boules très, de gagne. Très fort dans cette fin de partie. Peut-être pas de gagne, c'est le bouchon peut encore bouger à sa première frappe. Alors, carreau gagné sort, pour Foyot et frappé, ça serait aussi pas une chance. Même besoin de carreau parce qu'il a deux points derrière, mais... Ah pardon, frappé, c'est tapé gagné, oui, parce qu'il y a gagné, le petit palais de... perdu. Oui, oui. Enfin, et on peut avoir un 12-12. Hein. Ça, oh là là, alors ça... Je... Allez. Voilà, c'est manqué. Ah. Et maintenant, c'est frappé gagné et manqué perdu pour Foyot. Et pourquoi pas un 12-11 encore? Si le bouchon sort avec la boule, mais nul. Tout est possible dans cette partie. Eh, 12-12 12-12 Tiens, sorcier. 12-12 12-12 12-12 entre Carfa et Foyot. Tout était possible. Il y avait au moins quatre possibilités. Eh bien, nous, je crois qu'on est tous contents, à part ceux qui ont vraiment un favori, on est tous contents de voir encore une main de cette superbe. Ah oui, là, superbe 12-12 Foyot qui dit j'ai déjà tapé, c'est bien. Parce que ses coéquipiers. Il tapait pour ne pas perdre Foyot. Déjà, il est satisfait. Eh bien. Allez, c'est lancé, on va de toute façon vers l'épilogue de ce huitième de finale de l'International de l'Olympique. Il reste encore également deux huitièmes de finale féminins qui sont encore en course. Eh ben, cette partie, effectivement, ça fait un moment qu'on le dit, on ne sait pas l'issue. Oh, c'est magnifique ce que vient de faire Foyot. Bien frappé, cadré. On aurait pu penser que le bouchon sorte, mais non. Non, il a pris demi-boule, Cognard, et sa boule s'est immobilisée à 1,50 m du bouchon. Ouais. En tout cas, ça fait plaisir de voir une partie de pétanque de haut niveau disputée dans cet esprit-là. Alors n'hésitez pas à aller sur Twitter, Instagram, Facebook. Oh là là, c'est encore dans le bouchon. Encore très très bien pointé la part de Marco Foyot. Un petit peu derrière, cas, mais très bon, le point de oui, Foyot. Oui, à la descente comme ça, là, je pense que c'est la boule
merci. Un petit peu sortie, la boule d'or. Elle n'est pas tellement payée, cette boule de Carfa, quand même. Parce que elle venait bien. Elle est sortie dans le dernier mètre. Ouais. Mais il était raide. Il est tombé dur, apparemment. D'ailleurs, il est un peu interloqué, Carfa. Hein, et il comptait faire beaucoup mieux sur ce coup-là. Elle sera mieux, je crois. Il l'a mieux tenu, ouais. Bien. Ah, du très beau jeu là sur la fin. Hein. Elfric qui a accompagné sa boule dans le rond. Ah, vous êtes 2200 à nous suivre en cette fin de matinée dominicale. Merci à vous. Je pense que vous devez vous régaler autant que nous là sur place. Sur cette fin de partie indécise. Et on va attaquer en face, non ? On a encore choisi de pointer. Il va falloir très très bien pointer pour faire jouer. Oui. Voilà, elle a mal piqué. Ah, oui, elle est mal sortie à la frappe, là, cette boule de Matraglia. Ah, bah, je pense qu'on va peut-être partir au bouchon. Hein. Je ne vois pas trop maintenant. Il reste 3 boules en face. Et voilà, c'est Cognard qui a essayé de frapper le bouchon. Un seul essai. Alors là, il n'y a pas un bruit sur le carré d'honneur. Tous les yeux sont rivés sur le bouchon là. Il a manqué de 3 mm, Cognard, ce bouchon. Ah, elle a dû le voir. Hein. Il est tombé juste derrière. Juste derrière. On respire du côté de Foyot, Elfric et Feltin. Et bien la dernière boule là pour. C'est terminé, oui. Avec la victoire de Marco Foyot, Chris Elfric, Jean Feltin. Gilles, on vient de vivre une partie formidable. Là, ouais. 6 grands champions. Ouais, bah d'ailleurs, les spectateurs ne se sont pas trompés en applaudissant. Ah, cette fin de rencontre qui a duré quasiment 2 heures. 6 joueurs, là, les spectateurs présents. Ouais. En tout cas, 3 grands joueurs de jeu provençal qui nous ont fait régaler aujourd'hui en jouant à la pétanque. Tout à fait. Voilà. Voilà. On va parler longtemps de cette partie, elle va rester longtemps dans les mémoires. Ouais. Certains faits d'arbitrage aussi, je suppose. Mais on va vous donner rendez-vous dans quelques instants pour un quart de finale de cette internationale de l'Olivier. Merci d'avoir été aussi nombreux à l'écoute de ce direct. On va peut-être essayer d'avoir certains des acteurs de cette partie à notre micro. Je vois que Lionel Zanet est allé à leur rencontre et on va essayer peut-être de leur demander de nous rejoindre.
Voilà, je crois que Anthony Kerfa, Faf ou Cognard et peut-être Laurent Matraglia vont nous rejoindre ici sur l'espace Bouliste Note. Voilà, ils arrivent. On va essayer d'avoir Laurent Matraglia également. Ils se remettent un petit peu de cette superbe partie et de cet énorme choc qui nous a tenu à la laine. Voilà, je suis avec Anthony Kerfa. Anthony, cette partie vient de se finir, vous l'avez perdue, mais ça a été une partie qui a ravi tout le monde, un énorme choc. Vous êtes des habitués du jeu provençal, là vous faisiez cette incursion à la pétanque, à cet international de Nyons. Qu'est-ce qu'on ressent tout de suite après la fin de cette partie? On savait qu'au départ ça allait être dur pour nous, malgré qu'on a un des meilleurs tireurs de chez nous. Et puis bon, Marco Foyo, Felfrich et Felten, c'est une grosse équipe. On a fait ce qu'on a pu et encore je pense qu'on aurait pu faire mieux. Et bon, à la fin ils ont été meilleurs que nous, mais bon, on n'a pas trop fait ce qu'il fallait pour gagner. Alors peut-être un regret à l'avant-dernière semaine, puisqu'il y a eu plusieurs choix qui se présentaient à vous. Ouais. Vous avez choisi d'abord de pointer, ensuite de tirer. Est-ce que là c'était peut-être le cœur de la partie qui se jouait? Les choix ils sont un peu difficiles pour nous parce qu'on n'a pas trop l'habitude de jouer à la pétanque. Mais je pense qu'on a fait une ou deux erreurs de jeu qu'ils n'auraient pas fait les adversaires, parce qu'avec leur expérience ils ne l'auraient pas fait. Et c'est ce qui nous a fait perdre la partie, je pense. Et puis je voudrais féliciter mon tireur parce qu'il a été énorme sur cette partie. Alors Marc Cognard, il est avec nous aussi. Marc, tu as fait une partie énorme. On t'a vu un petit peu, il y a eu un petit moment de flottement sur quelques décisions d'arbitrage. Et puis après, on t'a revu revenir sur cette fin de partie. On te sentait très motivé, très à l'aise quand tu rentres. Exactement, Marco est un ami et Elfric et Feltin aussi. Donc on se connaît. Ça faisait longtemps que je n'avais pas joué en nationaux. Je me suis régalé, on a fait une belle partie. J'ai très bien tiré, après on n'a pas eu 2-3 coups de réussite, on s'est chamaillé sur 2-3 mains qu'on aurait pu mieux faire. Bon, on n'a pas eu la réussite, et ben voilà, c'est les boules, et bravo à Marco Foyo. En tout cas, tu le disais à l'instant, voilà. vous connaissez, vous vous respectez. Exactement. Et on sentait que cette partie s'est déroulée dans un très très bon état d'esprit. Exactement, toujours le sourire. Au jour d'aujourd'hui, dans les boules, les gens n'ont plus trop le sourire. Donc nous, on reste toujours comme on est, on essaye toujours d'avoir le sourire et d'avancer chaque partie et la prendre le mieux possible. Merci messieurs, vous allez rejoindre le circuit de la grande longue distance. Bonne continuation et puis merci pour le spectacle que vous nous avez offert. Merci à vous en tout cas. Voilà, on va se retrouver maintenant dans quelques instants pour un quart de finale de cet international de l'Olivier. A tout de suite. Yeah.